Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure où vous avez pour tomber sur la vidéo. Ça. Non pas moi, c'est Peterson Daniel Simon. Nous exactement sur la route nationale numéro 7 là. Plus précisément, nous sommes ou bien nous capables de plein gomme, nous capables de remarquer et que la route là bloquée. Et la population a décidé de bloquer la route là. Ça veut dire que les gens qui ont sorti Jérémy pour traverser, pour aller dans le sud, ou bien les gens qui ont sorti dans le sud pour entrer dans le département, pour entrer dans la ville Jérémy. Alors, ils n'ont pas passé parce que la route l'a bloqué. Raison, c'est parce que depuis novembre dernier, nous-mêmes, sur la plateforme, ça, nous avons fait un travail là, dans la zone ça, déjà à cause de la pluie qui était tombée. C'est-à-dire que côté route là, tu es passé avant et que vous fait avant et que OAS a fait route ça. On y a côté route là, tu es passé à Mounio, qui construit dans l'espace là. On y a l'aide de l'eau à venir, parce que vous venez dévier de l'eau, l'aide de l'eau à venir, on y a. Et de l'eau a crasé un bon parti et dans Kay Mounio crasé jardin Mounio et de l'eau a presque arrivé et la route nationale là et que population a été parlé de ça déjà a été fait alerte là et que jusqu'à présent par exemple il y a rien qui fait pour eux et c'est raison ça qui fait à cause de la pluie qui tombait dans le département pendant jour ça qui vient cause situation puis aggravée et c'est ça qui fait nous là aujourd'hui pour nous montrer qui genre situation aille et nous allons montrer et nous allons parler nous allons essayer parler avec quelques monde qui habitait dans zone ça. Merci en avance ensemble avec nous. Là nous aujourd'hui là nous exactement dans Gomier et que nous route là bloquée. T'as semblé ces rivières qui prend un bon parti peut-être dans Kay Mounio et c'est ça qui fait Mounio. Nous avons fait alerte ça et que nous avons bloqué la route. Vous pouvez expliquer qui est cette situation? Bon, ça fait longtemps que nous avons crié. Nous avons prié pour un seul bagage. L'État d'Haïti n'a pas rien à faire pour nous. C'est les gens qui ont été les gens mourir, ils sont venus. Mais je ne veux pas dire que côté route nationale numéro 7 là, ou nous avons gardé le site de Bossa là. Je ne veux pas dire que le côté caillou passé. Nous avons pris 12 cailles là déjà. Tout le monde sait côté aux abois. Par un côté pour y arrêter. Mais je ne veux pas dire encore, nous levons voix nous. En mois de novembre, nous levons voix nous bien haut. Nous bloquons là. Par contre, sens qui vient, ils viennent parce que nous voulons de la farine. Ils voulons de la farine, tant qu'ils disent nous, ils viennent. Ils ne sont pas venus. Mais je ne veux pas dire, nous-mêmes, dans Gomier, dans la commune où nous levons voix nous pour nous dire, Abraham 17 assez, nous ne pouvons pas machine passer sans avoir que ils ne pas venus faire ça ou venus faire là. Parce que nous regardons tout ça ou tout aller. Pas de ressources encore. Si nous ne gagnons pas, ça nous va le faire. L'État va gagner, dit pour nous. C'est nous pour lever voir nous pour nous peut-être ça nous toutes là nous bloquer route là là tout autant pas venir faire ça ou venir faire là pas grand rien qui passé mais pour il fallait nous te bloquer et que nous te débloquer qui ça que te fait nous te débloquer yo dit nous qu'il y a venu yo dit y a venu en urgence yo ouais problème non mais s'il y a venu de nos jours pas jamais venu journée aujourd'hui là moi pas quoi yo monde capable dire ah yo bloqué mal mais yo ouais ça qu'a fait là nous même journalistes nous ouais ça qu'a fait là nous ouais côté de l'eau arriver là. Regardez ça là. Regardez ça. Est-ce que les gens qui ont exposé une ville comme ça là, depuis hier, de l'eau a venu, tout le monde a eu tout le monde a eu à boire. Quand vous regardez, l'État n'a jamais dit rien. Pas d'intervention, rien. Son seul bagage à défendre, seulement proche intérêt. Mais ce qu'il y a à défendre dans le pays. On nous dit ça non. Côté vous, côté vous, l'État, chaque jour, il y a venu, pas d'intervention. Mais je vous dis, nous tous là, ouais, nous tous nous bloquons là, nous bloquons pour. Jusqu'à nouveaux ordres, tout autant l'État n'a pas dit ça, l'a dit, nous bloquer net là. Nous bloquer, mais qui s'en a demandé aujourd'hui? Nous avons demandé pour yon gabionner là, pour solidifier la rivière, pour yon gabionner la rivière. Mais on parle de 12 cailles qui crasent. Est-ce que dans 12 cailles qui crasent, est-ce que c'est pendant la période ça a crasé ou bien cailles ça a été commencé à craser avant? De Mathieu de nos jours. Okay. De Mathieu de nos jours, il a crasé. Nous relais tout là-bas, je ne viens pas. Mais je ne veux dire, nous tous, ouais ça. Nous constatons nous elle. Est-ce que nous sommes capables de bois croisé? Ok, là nous exactement bon rivière. Alors côté nous est là, nous capables de constater que ces rivières là qui rencontrent avec la mer, où ça n'a pas gardé l'autre bois là côté nous gagnez là, c'est là et que de l'eau a été qu'on passé avant, que pendant vous faites route là, vous déviez pendant vous faites route là, vous déviez de l'eau, vous connaissez qui fait de l'eau, vous faites tout dégât ça là. Nous capables de marquer des cailles. Et que qui en bas a mangé, si la pluie a tombé encore ou bien de l'eau a gagné pour faire des dégâts encore, c'est des cailles qui sont presque perdu, pour ne pas dire qu'ils sont perdus. Mais c'est ça que nous avons revendiqué que tout espace que nous avons gardé devant là, c'est l'autre caille encore, et que c'est de l'eau qui a botté ça, qu'on a de l'eau presque prend tout espace. Alors c'est cri d'alarme ça, et que nous avons demandé pour l'État haïtien, ou bien pour
pour faire intervention pressé parce que gens de l'eau après aller à temps en temps de l'eau à manger de temps en temps de l'eau à manger de temps en temps de l'eau à manger et que de l'eau gagne pour arriver gens nous disent de l'eau gagne pour arriver sur route nationale là et que de l'eau arriver sur route nationale là nous connaît et qui ça capoter comme ça. Alors c'est revendication ça nous yo gagner c'est raison ça qui fait nous mêmes nous là pour nous faire vivre qui j'ai situation à en Gombe. Alors, je suis capable de constater, les gens nous ont dit tout à l'heure, la route l'a bloquée et que nous remarquons la présence de la police qui là, qui a essayé de calmer les gens, qui a essayé de parler avec les gens pour essayer de faire Madame Sarah, parce que les gens qui peuvent aller, les gens qui ont traversé, soit sorti en haut pour descendre ou bien sorti en bas pour monter, pour être capable de passer. Mais jusqu'à présent, la population a été tenace, la population a été sous ferme décision et que côté au demandé, ils ont fait alerte là, parce que déjà, côté au demandé que pour l'État ait fait intervention pour de l'eau, pas faire des gars qu'il fait jusqu'à présent. Et que d'après ça, quelqu'un dit et que l'État n'a pas de jambes fin et que vous êtes roulé dans la farine. Et c'est ça qui cause, je dis, la route la bloquée. Nous sommes capables de remarquer qu'il y a une pile machine qui campe, qu'il y a une pile moto qui campe, en pile madame Sarah, moun qui pas qu'à traverser. Alors c'est comme ça la situation est dans Gombe, dans le département Grandens, sur le national numéro 7 là. Mon cher, raison qui fait le bloquer, hein, c'est depuis après Machu. Nous avons une situation qui est très développée en dans la commune. Ça. Et dès longtemps, et route là, rivière, c'était rivière aux Zoldeye. Quand on a la rivière aux encore, c'est rivière Gombe. Nous avons 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 revendications que nous faisons. Et aussi, un journaliste qui est habitué à couvrir un certain événement pour nous là, par la situation qui a passé. Nous avons menti, nous avons rien, nous avons réglé rien qui est bon pour nous. Nous avons dit, son cinquième fois, nous bloquer jusqu'à ce que nous avons une solution définitive. Nous bloquer une fois encore pour nous avoir une décision définitive. Quand il y a cette population qui prend destin Gombe, qui ne pas perdre Gombe, pas perdre route nationale là, pour qu'il y ait une solution. Si c'est ministre et premier ministre qui a débarqué là pour la situation, il a débarqué là. Le travail public nous menti chaque jour. Il dit qu'il y a un projet de voyer dans le département central, Port-au-Prince, bagage là-bas, rien n'est pas jamais fait. Il a posé un plan de projet pour nous, il a dit qu'il a coûté 44 millions de gouttes pour qu'il fasse un projet ça, il n'est pas jamais fait. Depuis en novembre. Dernier, tant que nous faisons en novembre. Nous avons dit nous 17 fois si nous ne pouvons pas supporter encore. Nous bloquons la route là pour que nous avons une solution. À nos jours, représentant TPTC ou pas Jambina. Pour qui ça va Jambina? Bon raison bien déterminée. Yo connaît. Et si yo même, yo c'est représentant travaux publics, yo ta devine là pour dire ah plus mais qui ça ne va pas faire, qui ça ne va pas le faire. On est dire nous bloquer jusqu'à nouvel ordre. Tout nous une instance qui concerne dans l'état pour que nous pas débloquer. Si la police a passé sous fiel, nous a passé, l'a tué tout le monde dans son nom et puis n'a pas accepté tuer et puis pour sauver dans Gombe. Mais depuis qu'il a nous bloqué là. Nous bloqué hier soir en conception avec la police, nous obligé à accepter. Yo t'ai parlé avec nous, grand groupe il m'a venu, nous accepté. Yo connaît ça ou de hier soir, pas voyer encore son l'autre yo voyer encore là. Ça mon troisième tout privé là. Ça veut dire dialogue vinn va nous pour une solution. Ça veut dire en dans département, il y a directeur la police, il y a magistrat, il y a ceci, il y a X et Y, yo va me présenter là. Pour qui ça ça passe même. Bon raison. Mais OK d'accord. Oui, nous vous merci parce que vous présent avec nous. Félicitations, toujours gagne contact avec nous, tout ça gagne comme évolution pour Kakonel. Merci en pile. D'accord, merci en pile. Et ton plaisir. Merci. Voilà, j'en ai regardé là et que c'est la police qui a essayé de débarrer route là et que fait alors il y a un membre de la population qui persuadé yo dit que yo pas d'accord pour route la débloquer parce que yo bloqué le net mais j'en la police campéen là et que t'as assemblé yo hâte pour route la débloquer on continue sur cette situation. I'm going to go to the hospital.